Yvonne Cyr, j'ai fait mes sciences pures au cégep de Limoilou, où j'ai commencé d'ailleurs à faire de l'impro. J'ai étudié à l'Université Laval en enseignement primaire, en arts plastiques, en enseignement, ce qui m'a amené aussi à faire autre chose comme travail. Et après ça, ben, je suis devenue comédienne et conceptrice et je suis à la LNI depuis 10 ans. Je dirais que je suis plus à la défense, mais en même temps, pas nécessairement en attendant que ça arrive, mais aussi en provoquant peut-être des jeux et en provoquant l'échange et la passe des idées. C'est de même que je me vois, ouais, c'est ça. En fait, il y a un running gag. Il attend toujours que j'aille aux toilettes avant de barrer les loges puis de dire que ça commence parce que je suis toujours la dernière à aller faire un petit pipi avant. Fait que, je sais pas si ça se dit, là, mais c'est ça. Le petit pipi d'avant-match, pour moi, est primordial. Ben, je m'assure d'avoir du gloss, que les 5 autres joueurs de l'équipe soient là. C'est important pour moi, là. Des espadrilles dans lesquelles on est confortable, ça, c'est bien, bien, bien important. Changement de couleur, je m'en vais sous les tropiques, dans les jaunes. Je vois ça d'un bon œil parce qu'il y a ben, des nouvelles personnes que je connais moins, avec qui je partage quand même la LNI depuis quelques années, mais même quand on n'est pas dans la même équipe, des fois, on n'a pas la chance de jouer si souvent que ça ensemble parce que la saison est quand même assez condensée. Donc, je suis très heureuse de rencontrer ces personnes-là et d'avoir l'opportunité d'être sur le même banc qu'eux.